Salut tout le monde, c'est Keito de Charlatan France. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Memory des Frags, comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, au programme de la vidéo, donc le nouvel événement pré-ranking numéro 13, ou 14, pré-ranking numéro 14. Voilà, parce que le 13, c'était le dernier qui s'est terminé hier dans la nuit, enfin, ou ce matin, quoi. Tant qu'on dort quoi. Donc voilà, ce sera celui-là. Pour le ranking d'avant, j'ai fini deuxième. Donc ça va. On aura donc la Sachi à 100. Donc on la mettra à 100 quand j'aurai reçu mes récompenses. Hein, je vous le montrerai en vidéo sur la vidéo récompense. On se croise un petit tirage bronze. Vu qu'on aura assez de bronze. Bon, on gagne pas de médaille malheureusement dans le classement cette fois-ci. Donc il n'y aura pas de tirage argent et or. Donc dommage, c'est pas trop grave. Donc on finira donc le tirage platine et une tirage bronze pour les récompenses du ranking dans pas aujourd'hui, sûrement pas demain. Donc les résultats seront de toute façon dans très bientôt, parce que moi, je veux qu'il reste plus que deux jours avant que le poste s'enlève. Donc ce sera sûrement demain les récompenses, je pense, demain ou après-demain. Mais ça m'étonnerait, parce que d'habitude il y a trois jours. Donc, je ne sais pas. Donc, on verra bien. Donc, aujourd'hui, on va se tarder bien sûr sur l'équipement création événement. Donc, c'est-à-dire qu'on va équiper, on va choper des équipements. Enfin, c'est fait hein, pour être chopé des équipements. Comment on appelle ça? Pour la nouvelle bannière de personnages qui va arriver. Hein. Donc, je rappelle que la nouvelle bannière, pour ceux qui ne le sauraient pas, je vais vous montrer ça directement avec les photos qu'on a mis sur le Discord. La nouvelle bannière, c'est UseSRMD. Voilà, hop, voilà. Donc la nouvelle bannière a été annoncée durant un live sur YouTube, hein, un live de Bandai Namco, je crois. Hein. Enfin, c'est un live spécial sur l'Art Online. Donc voilà. Donc ils annonçaient donc pour Memory des Frags donc une bannière un peu été maillot de bain hein, qui fait un peu vacances hein, vacances d'été. Donc on sait qu'il y aura Asuna, Kirito, Ugeo, on suppose que c'est Ugeo et Alice hein, vu les silhouettes bien sûr hein. Donc voilà, donc on partirait donc plutôt sur un donc sur un hop. On va dire ça, voilà. Donc, on supposait, hein, bien sûr, que c'était un événement. Un événement, donc, sur plusieurs éléments. Hein, donc, on partirait donc sur un portail multi-éléments. Donc je suis content déjà, un point, c'est qu'il y aura enfin des nouveaux personnages masculins à jouer. Bon, même si c'est toujours Ugeo et Kirito, c'est pas trop grave, mais au moins c'est des nouveaux personnages masculins. Par contre, un peu moins content, et ben je pense que vous avez déjà trouvé l'erreur, c'est que sur l'équipement, comment on va faire pour équiper nos personnages masculins s'ils nous donnent toujours que des équipements de filles. Donc on va devoir encore équiper nos personnages masculins avec la vieille veste de Ordinal Scale, hein. Je pense qu'on aura que ça à faire, hein, comme d'habitude. Donc ça, je trouve ça énormément dommage, parce que c'est toujours la même chose. Donc je me demande à quand feront-ils des équipements pour les garçons. Ça, je ne sais pas du tout. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire cet événement-là. Donc, ah oui, je n'ai pas vu exactement, ça va être quoi le boss. Donc le boss, c'est un feu. Oh, bon, c'est un feu, on va partir sur des mains hauts, oh, d'accord, ça marche. Non, pourquoi j'ai fait forme partie? Non, c'est pas ça ce que je voulais faire. Je vais former une partie pour le level 30, faut le faire quand même. Donc pour ceux qui connaissaient hein, déjà la bannière Popstar Online, on avait un événement avec des boss de Popstar Online, bah c'est exactement le même boss, enfin l'un des boss de Popstar Online.
Voilà. Je vais juste prendre. Bah, je vais quand même me prendre un support. Voilà. Pour. Qu'on appelle ça? On va partir avec ça, voilà. Pour faire l'émission du jour en même temps, hein, pour le moment qu'on y est. Ce niveau 30, hein, comme d'habitude, hein, un peu facile. Donc bien sûr, un 5ème dé à gagner par... comment on appelle ça? Par niveau, hein. Par quête. Là, il y a 4 niveaux, donc ça fait 20. 20 MD à choper là-dessus. Faudrait voir en mission si on a des missions. On ira voir tout à l'heure. Ok, bon, vous voyez, hein, c'est pas très compliqué pour l'instant. Si vous prenez des personnages hauts, ça passera plus vite. Hein. Donc là, en plus, là, j'ai pris Yui pour le dénâtre, hein, pour baisser un peu les stats du boss. Si vous avez des personnages de la nouvelle bannière actuelle avec la reine du Hellblade, hein, n'hésitez pas à les prendre, ce sera plus simple. Ok, donc là ils vont nous faire changer bien sûr tout ce qu'on passe sur les missions les plus difficiles. Et du coup ce qu'on va faire là c'est qu'on va aller voir tout de suite si on n'a pas des missions à faire. Si on avait des missions à faire, parce que je vois qu'on est déjà à deux. Donc là on va récupérer ça. Alors, complète nanana. Ici. Compléter l'idol fan. En EX, compléter sans tomber l'Idol Fan en Master, faire 6 parades en Master, compléter le Master en moins d'une minute, compléter le Master en moins de 45 secondes. Ok, bon, ça va, concrètement, il faut pas tomber, c'est ça le truc, et en plus, on récupère donc des Stardust. Donc, si nous pouvons récupérer des Stardust, est-ce qu'ils nous auraient pas remis, par pur hasard, une Rainbow Essence ou quoi que ce soit? Qu'on puisse récupérer plus facilement. Alors ici, bah, ce sera des Stardust qu'on mettra en réserve, où on piochera un petit peu dans les voiles de les médaillons d'éléments, si on a besoin au cas où, mais sinon on va les garder pour les prochaines Rainbow Essence, que je conseille vraiment, hein. C'est pas de dépenser trop sur les voiles là-dessus, c'est vraiment de garder quand les Rainbow Essence sortent. Les Rainbow Essence c'est plus important hein, parce que les voids, tout ça, enfin les médailles, en général il y a toujours un événement pour farmer une ou deux médailles de la bonne couleur. Hein.
Donc voilà. Donc du coup, on va repartir. Il ne faudra pas oublier de faire 6 parades en master. Donc pas de MD à gagner en mission. On sent un peu radin en MD en ce moment, je trouve. Hein. Donc là, il faut juste compléter le mode X. Si je me rappelle bien les missions. Là. Okay. Donc là on fait bien monter le combo, hein. Ça sert à ça de toute façon les mobs, faites bien monter le combo avec des personnages, avec des attaques qui peuvent prendre une grosse largeur du terrain pour augmenter vos combos afin de faire plus de dégâts après sur le boss et faire des torts plus rapides. Par contre, le master va peut-être le faire en groupe, ce sera peut-être plus simple. On va le tenter en solo quand même, on va le tenter en solo et on essaiera aussi en master. Enfin, en groupe, voir si, si en solo ça passe, tant mieux, sinon on tentera en groupe. Donc là, il faut faire 6 parades, ne pas tomber, le faire en moins de 1 minute et en moins de 47 secondes. 47 secondes, ça peut être chiant, mais sinon, ça devra aller. Une, deux. Ah, on est tombé. Bon, c'est pas grave, on reprend après. C'est vrai, de faire tout en même temps, c'est peut-être pas facile. Hein. 3. 4. 5. Là, 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 là. Ah non, on est paralysé. On va devoir le faire en mode deux fois, hein, tant que paraît tout ça. Bon, sinon, voilà, vous me laissez. 6. Ah. Ouais, il commence à avoir trop. 7 et... Ouais, c'est bon. Bon, bien sûr, on va devoir le faire en deux fois hein, pour avoir toutes les missions. On n'a pas le choix hein, en même temps. Tout simplement parce que pas pareil, tout ça. Donc on fera deux fois. Mince. Bon, c'est pas grave, on se rattrapera sur la prochaine fois. J'aurais dû changer avant de passer sur une autre. Voilà, il m'a assommé. Allez, allez.
Bon, là, on a rempli à peu près le premier objectif, c'était de faire les parades. Je crois que je suis tombé, bien sûr, à cause de tout ça. Donc là, il va falloir. Donc, on a fait au moins les parades. Maintenant, il va falloir ce qu'on fasse, c'est qu'on termine en moins d'une minute, au moins de 45 secondes et sans tomber. Hein, c'est ça, voilà. Là, c'est reparti. On va essayer de le refaire. Essayer de faire ça comme ça. On va monter un peu le combo. Bon, du coup, je peux plus baisser parce que j'ai plus assez de MP, mais c'est pas grave. On va essayer comme ça. Ah, il restait pas grand chose hein, pour les 45 secondes là. À 3 secondes près. Bon, c'est pas grave, hein, je le referai tout seul. De toute façon, c'est que des Stardust, c'est pas non plus le truc le plus ouf à gagner. Donc voilà, il faudra juste faire en 45 secondes. Je suis pas très loin, hein, je pense que ça passera avec le prochain coup. Bon, moi je vais vous laisser là. Donc voilà, donc c'était pas un événement ultra difficile hein, comme vous pouvez le voir. Donc, je vous dis à la prochaine, c'était Kirito, salut!